congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Promouvoir la coopération interprovinciale pour l'intégration de réponses en matière de développement, prévention de l'extrémisme violent et de problèmes environnementaux, voilà qui justifie 3 jours de conversation des gouverneurs des provinces du Nord et Sud. Tanganyika, Maniema et Ituri à Goma a daté de ce 24 juillet 2023. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence, lieutenant-général Constant Dima Kongwa, a salué la participation de tous à l'ouverture de cette session dont les matières relèvent d'une importance capitale avant de rendre les hommages au président de la République démocratique du Congo, garant de la sécurité et de développement. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant supérieur des forces armées et de la police nationale congolaise qui, non seulement ne ménage aucun effort pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays en général et dans sa partie est en particulier, mais aussi reste toujours constant dans sa vision de développement du pays, matérialisé entre autres par le programme de développement local de 145 territoires. Ce le vice-ministre du plan qui préside ces assises, Pascal Omanabitika, est revenu sur les réalisations à la base pour le développement de la RDC dans son discours. Le champ d'expérience, la mutualisation des efforts pour faire la coopération régionale sur le sujet s'inscrit également dans les cadres d'une évaluation dans les domaines de la politique publique traduite dans vos différents programmes d'action. Ce qui permettra de comprendre les enjeux et la nécessité d'adoption des réponses constatées par des régionales de favorisant la synergie des interventions et la mutualisation humaine des actions multiples face à la complexité des défis auxquels font face les 5 provinces ici représentées. Les résultats de ces travaux donneront des réponses coordonnées et régionales qui favoriseront à leur tour la synergie des actions multi-acteurs face à la complexité des défis auxquels font face les 5 provinces de l'Est de la RDC. Organisée par le PNID, cette rencontre est financée par la Suède. Thank you.
Suivant sa mission de contrôle des effectifs des militaires d'active des forces armées de la République démocratique du Congo, lancée depuis le 6 mars de l'année en cours, après la première zone de défense, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Koumba Gabriel, a effectué du 9 au 16 juillet 2023 une mission de travail dans la troisième zone de défense, ce qui l'a conduit tour à tour à Kisangani, siège de l'état-major de la troisième zone de défense et de la 31e région militaire, dans la Tchopo et à Bukavu, siège de l'état-major de la 33e région militaire dans le sud Kivu. Arrivé le dimanche 9 juillet 2023 à Kisangani par l'aéroport international de Bangoka à bord de l'avion de la compagnie aérienne africaine en cible CAA, il a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant général Mbangu Mashita Marcel, commandant de la 3e zone de défense, accompagné du général-major Mujinga Muji Timothée, le commissaire divisionnaire de la police nationale Sabiti Abdallah, le général de brigade Fitoumbe Richard et le général de brigade Kelekelo Séraphin, respectivement commandant de la 31e région militaire, commissaire provincial de la police nationale à Kisangani, commandant du 33e groupement aérien et chef d'état-major de la 3e zone de défense et les membres d'état-major. Il a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. L'inspecteur général des forces armées de la démocratie du Congo, le général Amissi Koumba Gabriel, est en mission de contrôle des effectifs militaires tactiques des forces armées de la démocratie du Congo. Dans la troisième zone de défense, en commençant par l'état-major de la troisième zone de défense du chef de Sénat. Afin de pouvoir de donner des identités fiables et aux commandants des unités de remettre au contrôleur des listes fiables des militaires qui sont alignés. Chercher à connaître l'effectif réel des forces armées de la République démocratique. Afin de mieux organiser notre armée. Lundi 10 juillet, l'inspecteur général a mené plusieurs activités en commençant par le gouverneur provincial où il a été présenté. Ses civilités et l'objet de sa mission à Kisangani, à la première autorité politico-administrative de la province de la Tchopo, Madame la gouverneure Madeleine Mikomba. Après le gouverneur, le général d'armée Amissi Koumba Gabriel se rendit à l'état-major de la 3e zone de défense où s'est déroulé les opérations de contrôle des effectifs. Ici, l'inspecteur général a suivi avec beaucoup d'intention l'exposé fait en son intention par le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Marcel sur plusieurs points. En prenant la parole, il a exhorté tout le monde au patriotisme, à la prise de conscience professionnelle et a promis de rapporter à la hiérarchie les préoccupations de la 3e zone de défense pour des solutions idoines. En outre, il a expliqué aux militaires le bien fondé de ce contrôle. Alors, combinons dans ma terme et la vie, vous êtes à confier avec l'administration. Être à confier avec l'administration, c'est quoi? Il y a une unité qui est allée à Chabunda, mais vous allez à peut-être vous avez des routes ou une mission. Alors, comme vous êtes à Chabunda, vous allez à contrôler, vous allez à la machine. 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 Vous machine. Vous allez à la machine. Vous allez à la machine. Vous allez à la machine. Boni, Congo est un bon camounéni. Les gens qui tombent ici la carte, ils sont effectifs et athées. Je vais commander à comprendre ce que vous avez dit. Parce que c'est ça, c'est suite à cela que mon conseil en boca a lui tout contrôlé mon commun. Sauf que nous avons nos vies. Dans les gens qui sont à Kinshasa, même le gouverneur est à nos vies. Il y a nos vies. Au contraire, il y a le lobby de la vie. Vous avez gagné dans le lobby. Vous avez dit que vous avez dit Je vous ai dit que vous avez 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 dit que vous avez
Même gymnastique à l'état-major de la 31e région militaire où il a conféré avec les officiers et les membres du major de la 31e région militaire. Il les a exhortés au patriotisme, à la conscience professionnelle et leur a demandé de bien coopérer avec les équipes de contrôle de l'inspectorat général par la remise des listes fiables, objectifs des militaires actifs dans l'unité pour mieux organiser notre armée et mieux servir notre pays. Quittant Kisangani, le jeudi 13 juillet, l'inspecteur général se rendit le même jour à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu et siège de l'état-major de la 33e région militaire, poursuivant toujours sa mission de contrôle des effectifs des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Arrivé à Bukavu par l'aéroport de Kavumu, il a été accueilli par le commandant de la 33e région militaire, le général-major Yav Avou Ngola Robert, suivi du général Mukala Ingoy François, les commissaires supérieurs Madembe Flore, et M. Pascal Salumu, respectivement commandant secteur opérationnel Soukola 2 Nord-Sud Kivu, commissaire provincial adjoint, ad intérim de la police nationale congolaise Bukavu et directeur général des migrations à Bukavu. Il a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Le lendemain de son arrivée, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, est allé au gouvernorat comme à Kisangani, présenter ses civilités à la première autorité politico-administrative, le vice-gouverneur M. Marc Malago Kachikere, représentant le gouverneur titulaire M. Théo Mwabi Chiekasi en mission de service à Kinshasa et lui a expliqué l'objet de sa mission de travail à Bukavu, suivi de la visite de l'état-major de la 33e région militaire où il a suivi plusieurs exposés faits à son intention par les chefs des différents services de la région militaire. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Amissi Kumba Gabriel, est en mission de service, la mission de contrôle des effectifs des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça consiste à connaître l'effectif réel des militaires de notre armée. Et c'est une mission qui a été initiée par le chef de l'État, le président de la République, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à moderniser et à réorganiser notre armée. Ça n'a jamais eu lieu. Le précédent contrôle, c'était juste évaluer les capacités opérationnelles des unités engagées dans le secteur opérationnel. Et cette fois-ci, ça fait presque 26 ans qu'avec l'avènement de l'AFDEL, l'effectif de notre armée n'est vraiment pas connu. Pour organiser une armée, on doit connaître son effectif, parce qu'en connaissant l'effectif de l'armée, on sait planifier les opérations militaires et la politique sait aussi comment voter le budget de l'armée. Le contrôle général s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Cette mission de contrôle a été lancée depuis le 6 mars dernier, de l'année en cours, en commençant par la ville-province de Kinshasa et le région militaire qui constitue la première zone de défense, le Grand Équateur, le Bandundu et le Congo central. Maintenant, nous sommes dans la deuxième étape qui concerne la troisième zone de défense. Et l'inspecteur, avant de venir ici, il a été à Kisangani. De Kisangani, on est ici. L'état-major de la troisième zone de défense se trouve à Kisangani. Et l'inspecteur général a commencé la troisième partie à partir de Kisangani. Nous demandons aux hommes de troupes d'être des patriotes, de ne pas céder à certaines manipulations à tendance tribale, régionale, parce que nous, les militaires, nous n'avons que la plus démocratique du Congo comme notre patrimoine. Et ici, il a visité aussi l'équipe de contrôle des effectifs au Kansayo. Le samedi 15 juillet, il a visité l'état-major du secteur opérationnel Soukola 2, Nord-Sud Kivu, accompagné du commandant de la 33e région militaire. Des exposés lui ont été faits par les chefs des différents services. Le dimanche 16 juillet, l'inspecteur général est rentré dans la capitale via Goma. Ici à Goma, avant de prendre son avion pour Kinshasa, il a visité le cantonnement du 3e bataillon spécial en formation non loin de la ville de Goma. Cette visite a clôturé la tournée de l'inspecteur général dans la 3e zone de défense. Il sait de noter que l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, a été représenté par son adjoint en charge de l'administration et logistique, le général-major Ngonga Bazi, à Goma pour lancer officiellement cette mission de contrôle des effectifs des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Notre mission, c'est une mission de contrôle. Nous devons au moins maîtriser les effectifs de l'armée. Par ce système, par ce nouveau système technique, avec de nouvelles matériels
qui vont servir à ce qu'on puisse identifier les hommes, pour notre intérêt tous. Et je voudrais que les militaires sachent, parce qu'il y a trop de bruit, des gens disent l'argent est bloqué par l'inspecteur général ou l'inspectorat général, ou soit non. L'inspecteur général ne bloque pas l'argent. On fait les rapports des gens qu'on a vus. Si on ne vous a pas vu, on ne vous a pas vu. On dit non vu. Et à ce moment-là, quand on fait les rapports au ministère de la Défense, on dit, nous avons trouvé 5. Il y a 2 non vus. Ceux-là, on déclare, on ne les a pas vus. Souci, mon aîné, Motouya topé effectif via armée naé. Tout militaire des forces armées de la République démocratique du Congo est tenu à passer à ses contrôles dans son unité respective pour être identifié et reconnu dans l'effectif des forces armées de la République démocratique du Congo. Le contrôle continue et va s'étendre dans toutes les régions militaires. Le général-major Kizimo Mbuyo Stadzin, commandant de la 14e région militaire et commandant place-ville province de Kinshasa, a effectué le mercredi 26 juillet 2023 une tournée d'inspection des points chauds de la capitale en prévision de la sécurisation pendant déroulement du 9e jeu de la francophonie. Cette randonnée motorisée a sillonné les grandes artères de la ville de Kinshasa en passant par les boulevards Lumumba, Pompage, Kinsuka jusqu'à Kimwenza. L'objectif de cette tournée était pour les commandants de la 14e région militaire une façon de rassurer la population kinoise et tous les visiteurs venus pour le 9e jeu de la francophonie de la sécurité tous azimuts pour le bon déroulement de ces jeux. Nous sommes venus avec mes adjoints pour constater aussi de ce côté. Du côté c'est pas un combat qui tout ça, du côté tout ce que vous connaissez, nous venons de la profondeur, vous l'avez vu. Et nous nous rassurons que la paix est là, donc la sécurité est garantie. Mais ça coïncide également avec le jeu de la francophonie qui seront bientôt là, n'est-ce pas, lancé dans 48 heures. Et donc nous avions l'obligation d'aller parcourir la lucidité des militaires qui sont déployés dans le périphérique, nous rassurer. Et ces militaires travaillent normalement, essayer de voir où est-ce que nous pouvons encore ajuster notre déploiement de manière à ce que les jeux de la francophonie se passent dans la paix et dans la quiétude. Il s'est de signaler que le général Kizimu a aussi inspecté le long du fleuve Congo à la carrière de Kinshasa, située dans la commune de Mongafula. Les éléments du bataillon de prévôté militaire de la 14e région militaire ont démantelé un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opéraient au camp lieutenant-colonel Kokolo. Ces inciviques ont été présentés le lundi 24 juillet 2023 au commandant de la 14e région militaire et commandant place-ville province de Kinshasa, général-major Kizimo Mbuyo Stadzin, par les commandants du bataillon de prévôté militaire, le colonel diplômé d'état-major Motete Kemutunda Dim. Avec les jeux de la francophonie qui se pointent à l'horizon, nous avons demandé la sécurité tout azimut, au camp et en dehors. Alors je vais vous présenter maintenant ces bandits de grand chemin qui sont en train de semer la pagaille, d'enivrer les militaires, de créer l'indiscipline, contrairement aux missions de la police militaire. Moi, général, vous voyez les chars que nous avons arrêtés ici au camp, communément appelé Ngandabangi, au vu aussi de tout le monde. Les militaires ne vont plus travailler. Et maintenant, nous avons une autre catégorie, ce sont les gens qui viennent avec des chars dissimulés dans les sacs de braise. Au cours de cette rafle, les éléments des prévôtés militaires ont aussi appréhendé des criminels et des irréguliers au camp lieutenant-colonel Kokolo. Après cette présentation, le général Kizimu n'a pas manqué des mots. Vous devez savoir que la sécurité dans la ville de Kinshasa, c'est un souci permanent pour les services de sécurité et de défense. Surtout à la veille de jeux de la francophonie, nous avons déjà des visiteurs qui sont dans nos murs. Et donc, nous nous sommes dit que nous devrions assainir la ville. Que ce soit nous-mêmes, mais aussi avec d'autres services, y compris la police surtout. Voilà, c'est dans ce cadre-là que la police militaire aujourd'hui venait de me présenter des criminels. Et ces criminels sont pour la plupart des gens qui sont dans le camp. Mais ici, ce qui est important, c'est le modus operandi des vendeurs. C'est que ces deux gens, quand vous le regardez, ils semblent être sains. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent
pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yambo Kanabiso.